Ça y est, c'est bon. Bonjour Alain. Bonjour Maria. Tu me souviens de mon syndic brigand, mais maintenant c'est invivable parce que la maire du 5e arrondissement avait raison. Ça pue tous les sandwichs qu'ils font en bas et on ne peut pas écrire, on ne peut pas respirer dans tout le quartier. Ils sont désespérés. Mais moi, avec tout ça, j'ai cherché dans le livre de mon père et ma mère comment arrêter la guerre. Et donc, ce que je voulais te dire, il y a trop de bruit. Alors, non, c'est bon, ça gêne pas là. Non, mais moi. Ah, t'es bien là. C'est tout joli là. T'inquiète, ils sont loin. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que moi. Je milite toujours pour la commune de Paris. Vive la commune de Paris et 2022. Et maintenant, je peux te dire ce que j'ai dû dire à des Russes et Russes et Ukrainiens qui étaient dans un métro ensemble. Je leur ai dit, je sais vos chefs, je sais les, unissez-vous les deux peuples. Soulevez-vous et faites la commune de Paris. Et ils ont ri tous contents d'entendre tout ça. Et donc moi, je pense que je peux les convaincre. Mais voilà ce que ma mère disait et dans son regard. Regarde ça. Tu vois, ça c'est le livre de mon père, ma mère chez l'Armada. Et j'ai trouvé dans son gros livre des deux, trois textes, deux, trois phrases essentielles. Regarde. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous, vous ne voulez pas de la guerre, pas plus que nous. Pas plus que nous, vous ne voulez plus de guerre, pas plus que nous, vous ne voulez de la guerre. Voilà. Tu sais, les impliqués sont une branche de l'édition Leur Matin. Ce que je voulais te dire, c'est que Georges Dimitrov, je lui donnais des fleurs pendant les grandes manifestations quand j'étais une toute petite pionnière. Mais voilà ce qu'il disait. Pensez tous, tout seul. Pensez, ne répétez pas des pensées étrangères apprises par cœur. Résolvez les problèmes concrètement. N'attendez pas qu'on vous les glisse à l'oreille d'en haut. Donc, il ne faut pas avoir des chefs pour vous dire quoi faire. Tandis que ici, ce que fait le film Rémi, c'est tous les gens qui pleurnichent qu'il faut, qu'il faut changer le pouvoir, etc. Tu ne changes rien du tout. Tu changes toi-même. Tu te changes toi-même. Et tu réussis tout comme nous les Bulgares. Et là, c'est un autre moment. Ma mère parle avec mon père. Tu connais Mélodie Nkol. J'ai entendu un français de Radio Paris le rapport de Nikita Khrushchev. Secoué, ému, en pleurs. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Ça veut dire que Khrushchev a dit la vérité sur. Ce qui se passait en Sibérie du temps de Staline. Et alors, elle s'est dit, même si c'est comme ça, il ne fallait pas le dire devant le monde entier. Et je m'indigne, moi, elle dit, qu'il ne fallait pas dire. Mais alors là, ce que mon père lui répond, regarde, la vérité à moitié, ce n'est pas possible. Toute la vérité seulement, l'entière vérité aidera l'Union soviétique et le peuple russe à sauver le socialisme pour l'humanité entière. Calmement et fermement, m'a répondu Mélodine, elle écrit dans son livre que tu viens. Donc moi, maintenant, je veux unir tous les gilets jaunes
au lieu que l'un et l'autre se promènent, et le troisième se promène et ne se mettent pas ensemble. C'est vraiment aucune éducation comment vivre et comment lutter. Et moi qui ai dans mes gènes la lutte et comment vivre, et j'ai vécu dans la commune de Paris toute ma vie, comment faire? Dis-moi, Alain. Ben, je sais pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Courage, je t'aime. Et pour ce que tu as filmé de l'oignon que dans redis-le, mon nez... Redis-le, mettez l'oignon dans le nez. Mettez l'oignon dans le nez, dit Maria Corleva, pour que le titre, c'est ça. Oui. Et je vais le leur dire parce que tout le monde me demande, et j'ai ras-le-bol de guérir tout le monde. Parce que tous les gens et tous les fonctionnaires sont paumés comme tu peux pas se voir. Et je ne veux pas tout que monde, tout le monde se suicide. Tout le monde est paumé, Maria. Tout le monde est paumé. On oui, est tous fatigués. C'est oui, pas facile. Et il faut pas qu'ils se désespèrent. Il faut qu'ils fassent comme des bons Bulgares. 600 000 civilisations. Des nouveaux changements et des nouveaux nouvel état et des nouvelles choses. Et 12 siècles avant Jésus-Christ, le poète faisait, Orphée faisait égalité, fraternité, liberté. 12 siècles. Voilà. Et donc, ça suffit. Je connais mieux que j'ai demandé à tout le monde, tous les jeunes, si on les enseigne la commune à l'école. Personne n'enseigne la commune à l'école en France. Et on a oublié même de dire qu'il y a eu une révolution française. Ils ont tout supprimé, il n'y a que de l'argent. Ils ouais, parlent de l'argent et les pauvres étudiants et les pauvres lycéens n'ont pas un sou. Alors là, il ne faut pas que le sang coule pour l'argent. Courage, je vous aime, mes petits. Merci, Maria. Oui, ça c'est le nouveau signal de tous les... de tous les policiers, et c'est pas possible. C'est des Allemands. C'est des Allemands. C'était des Allemands. C'est des Allemands. Voilà, ben merci Maria. Courage, je t'aime. On était avenue de l'Observatoire. Voilà, très joli. Devant la closerie des Lilas. Et voilà. Moi, je vis boulevard Saint-Michel avec les oreilles bouchées. Voilà, alors c'est une petite visite. Regarde, ben, courage, je vous aime. Regarde, Maria. Maréchal Ney. Ça, c'est Paris. C'est quoi cette ça, c'est Paris. On nous a placés dans un des endroits les plus bruyants de la capitale pour nous empêcher de parler au peuple. On nous a placés dans un endroit les plus bruyants de la capitale. Nous à la guerre. Voilà. Donc, ça y est. Eh ben, merci Maria. Allez, courage, je t'aime. Vous tous mes petits qui me mettent courage, je vous aime de tout mon cœur. Merci Maria. Toi, tu es là encore dans les mouvements. Tu es vraiment très forte. Je suis comme mon papa, et comme ma maman, et comme mes grands-parents, et comme mon peuple entier. Parce que mon peuple n'a jamais accepté le nazisme. Il s'est soulevé en entier, et même le Parlement bulgare avait voté pour contre le Hitler et pour contre le tsar, tu vois. Voilà. Allez, voilà. Merci, merci Maria. Courage, je t'aime. Courage. Voilà. Allez, on va faire autre chose après. On va faire cesser la minute de Maria, les 10 petites minutes. Merci à tous.